Salut tout le monde, ici Sobro17 et on est maintenant rendu au 75e meilleur jeu vidéo sur console Super Nintendo selon IGN. Et aujourd'hui on y va avec un jeu de baseball. Non, de football. Voyons donc, je me mêle entre football et baseball, ça va bien ma vie. À part ça, qui est John Madden? À part ça, le monsieur qu'on voit ici, ben c'est un cool au football qui a déjà gagné plusieurs Super Bowls. On peut dire que c'est le Cutty Barman du football, ouais. Et pour ce qui est mon expérience avec les jeux de football, ben, je me rappelle quand j'avais 10 ans environ, j'avais eu pour 5 pièces chez Walmart un jeu de football sur SNES, c'était NFL Quarterback Club 96. Au début, j'avais bien la misère à contrôler, je savais pas c'était quoi le football aussi, mais avec les années, j'ai appris à connaître le football et à aimer ça, puis j'ai beaucoup joué avec ce jeu-là, là. Madden, j'ai déjà joué au Madden sur Xbox, PlayStation, pis tout. Mais sur Super Nintendo, presque jamais. Et pour l'époque, un jeu de football de cette envergure, c'était quand même quelque chose de révolutionnaire. Fait que je vais vous montrer un peu c'est quoi le football. Je vais jouer un quart avec vous pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler ce jeu-là. Fait qu'on va prendre le dôme. On peut choisir nos équipes. Moi, je vais prendre. Mon équipe préférée, c'est Saints de la New Orleans. Parce que. J'aime beaucoup le football. Je peux pas dire le nom de tous les joueurs, mais j'aime bien ça regarder ça. Mon équipe c'est les Saints de la New Orleans, mais je vais prendre pour ce jeu-là les Giants, qui va affronter les Denver Broncos, les Lions de Détroit. Ouais. Fait que et aussi dans les types de jeux, on peut jouer une game d'exhibition, une game régulière, une saison entière. Sudden Death, je pense c'est un Super Bowl. Des playoffs. On peut faire aussi des championnats. Des simulations de championnats, je veux dire. Franchise playoffs. Bon, c'est pas mal ça. C'est comme dans tout bon jeu de sport. On peut jouer des saisons, des playoffs pis tout. Fait que, voyons. On va choisir bon, les New York Giants contre une équipe que j'aime bien contre les Tigres de Détroit. Ouais. Attends un peu. Ah, on peut choisir aussi des équipes rétro des années 71 comme les Cowboys de Dallas de 71 qui était une très bonne équipe. Fait que on va continuer un peu. Non. On veut pas une équipe rétro, on veut prendre une équipe normale. Tiens. Non. Hein, les noms de Détroit. Fait que c'est parti. On va jouer un quart avec vous pour montrer grosso modo à quoi peut ressembler le jeu. Fait que je vois sur les Giants. On peut voir aussi les forces des équipes. Comme ben, mon carrière, pour ceux qui savent qui connaissent un peu le football, le carrière, c'est lui qui dirige le jeu, qui dirige l'offensive. C'est presque le leader. Fait qu'à vrai, je veux dire acceptable. Les retours de beauté. Tout le tralala, les batteurs, comment ils sont pis tout. Ouais, plus la barre va être haut, plus il va être bon. Fait que on y va. Fait que on voit l'intro. John Madden qui, après sa carrière de coach, il est devenu un commentateur très apprécié aux États-Unis, très populaire. C'est pour ça que je dis que c'est un peu le Scotty Barman du football. Fait que il va avoir bien sûr le fameux pillow face. Celui qui va gagner le pillow face. Ah, c'est moi qui gagne, fait que j'ai le choix de botter le ballon ou le recevoir. Va le recevoir. Détroit va choisir le côté qu'il veut défendre.
Hein? Il va changer le côté home. Fait que, comme dans un bon jeu de football, on va choisir sa stratégie autant en attaque qu'en défense. Fait que, il va faire le botté. Et hop là! Et c'est parti pour un quart. Va essayer d'aller loin, le plus loin possible. Ah! Un botté de 53. Oh. Ok, fait que je vais choisir un type de jeu d'offensif que je veux jouer. Je vais faire une passe par exemple. Tiens, il va faire le Kobe Vogel. Je choisis B, c'est un type de jeu. Fait que vous voyez, j'appuie sur B, là, je vous choisis un joueur. B, il semble être libre. Faut-il l'avoir? Ah! Il est très dur à manier, là. Honnêtement, là. C'est le fun, mais c'est très très dur à manier et à prendre en main, là. Je pense que c'est pour les vrais manières de football. Parce que, D'Artan, si tu écoutes, je me rappelle que tu es pas un très grand fan de football. Et toi aussi, tu fais de la quête des 100 meilleurs jeux SNES selon IGN. Et, pense pas que tu vas aimer ce jeu-là, vraiment. Pense que tu vas en arracher. Oh, pauvre toi, je te plains déjà d'avance. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que vous, c'est une autre passe. Puis, mon expérience, je sais, mon jeu de football préféré, c'est celui sur NES, le Tecmo Super Bowl. Je joue beaucoup encore avec aujourd'hui. C'est un jeu très facile à prendre en main, les contrôles très efficaces. Je vous recommande, là. Surtout si vous aimez les jeux de sport, Tecmo Super Bowl, un petit jeu de football facile à comprendre et facile à prendre en main. Mais ça, il faut bien sûr que vous aimiez le football. Je vous fais encore une pause, moi. J'ai juste besoin d'une course. En tout cas, j'essaye encore. Ah, ça y est! Il va avoir un premier essai. Eh oui! Là, je vais essayer une course. Un run shot. Ah, HB counter. C'est ça que je vais faire. Je vais essayer de faire une course de 10 verges pour avoir un premier essai à nouveau. Oh là 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 là, j'ai fait une erreur! Ah! J'ai perdu ces verges, ça va mal aller. Je vais tenter une pause. Ouais, on va retenter une pause. Fait que, kick send. Ouais, c'est ça. Hop. Et c'est parti. Attention, il va débarquer. Ah ouais, ah ouais, ah ouais, voilà, ouais, c'est bon, comment? Ah ouais! Oh boy, ça sent le toucher, ça. Ça sent le toucher. Oh! Ah, oh, mais c'est une belle petite course, ça. Oh, oui. Je suis en bonne position pour marquer, là. Fait que, first down, Y fond. J'attends une autre pause. C'est une course. Ouais, moi c'est une course. Hein? Yep. Ouais, c'est un jeu vraiment complexe pour l'époque et révolutionnaire. Et encore aujourd'hui, je trouve que. Il a bien vieilli un petit peu, ouais. Je pense, si on aime le football pis tout, on peut avoir du fun à jouer avec ce jeu-là, là. Honnêtement, là. Fait que. Bon. Je tente une pause. Ouais, je vais essayer ça. Voici une pause. Attention, et débarquer, B ça va être débarqué. Ah là 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 là, j'ai mal fait mon choix. Fait que forward bar trap, FP trap. Bon, voici une autre course. Oh, belle défense. Oh, ils ont une belle défense. Je l'accorde, les Lions de Détroit ont une belle défense. Bon, qu'est-ce qu'il fait là? Troisième essai. Ouais, je suis proche du but là. Ouais, je vais essayer ça. Et une passe là. Oh boy. Ça semble la fête pas mal ici. Ouais. Oh oui! Je l'ai eu, hop! Ah non! Ah non! C'est une interception! Oh là 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 là! Ah! Oh, je suis pas loqué. Oh, une interception. Ça fait mal. Je pensais que je l'avais attrapé. Oh, que ça va bien, je vois du saint. Oh là 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 là. J'étais sûr d'avoir fait un toucher. Oh, tabarouette. Oh, ouais. Attends, ça fait pourquoi je l'ai pas intercepté? J'étais en pas de position. Oh là là. C'est ça qui est fun. Quand on aime le football, là, et on peut avoir du plaisir avec le jeu, là. Je pense honnêtement, là. Ouais, moi j'aime bien parce que j'aime le football, mais il faut aimer le football pour aimer ce genre de jeu-là. Et aussi aimer un peu les jeux un peu compliqués, un peu complexes.
Parce que le football, là, c'est pas plus juste du rentre dedans puis tu vas à l'autre ligne, là. Tu te rends à la ligne pour faire des points. Non, 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 c'est beaucoup de stratégie. On pense que c'est un très beau sport. Puis pense que c'est le meilleur sport d'équipe qu'il peut avoir sur la planète. Avec le hockey, bien sûr. Parce que le football, chaque joueur doit remplir son rôle vraiment comme il faut pour que l'équipe performe, là. C'est vraiment le meilleur jeu de concept d'équipe que le football peut avoir, là. Il me reste encore du temps, oui. Encore une minute au quart. Je vais essayer de faire en sorte qu'il marque pas, là. Hein? Tu marqueras pas, toi. On recule le Saint-Verge. Il y a parfois des petites réactions quand on réussit un bon jeu, puis tout. Hein? Bon. Dans des fois, je l'avoue, je choisis un peu n'importe quoi, là. Je connais pas encore toutes les stratégies de football, là, mais... Ah ouais, quarterback sack! Oh yes! Interception! Boum! Hop là! Pardonnez-moi si ça a coupé, j'ai dû repartir mon logiciel de capture. Ouais, c'est un démo que j'ai. Il va enregistrer seulement 10 minutes, après 10 minutes, il arrête. Ouais, ça c'est vraiment plate. Ouais, je vais essayer une pause. Je fais beaucoup de pauses, j'aime ça les pauses au football. Oh boy. Ouf! Un gars de 7 verges, ok? Pas de pire. Pour forme. MP2. Moi, je vais essayer une course. Hein? 4 secondes. Je connais-tu la review? Ouais, ouais, je vais essayer de faire un toucher. Je vais essayer de jouer à la deuxième carte pour vous, là. Moi, j'ai perdu 5 verges, ça va bien. On est rendu à la deuxième carte. Ouais, oh, non, non, fin de la première carte, effectivement. Ah bon. T'as entendu une pause? Ouais, je vais essayer une pause. Ouais, attention. Ah ouais. Ah oh, oui. Je vais peut-être. Non, non, j'ai pas fait de pause down encore. Il me reste encore 3 verges, je crée bien. Attends un peu. Je fais quoi, là? Ouais. Far out. Je choisis toujours les mêmes types de jeux. Faudrait peut-être vérifier. L'ordinateur va savoir que je fais à un moment donné, là. Ah. Oh. Là, j'ai un bon. Good. Ça va bien. J'ai en bonne position pour marquer, là. First down. Yes, sir. Ok. Bon. Une passe. Ouais. Ouais, et attention, on va essayer la passe. Oh oui! Oh, c'était beau, ça! J'ai pas remarqué, là. Je veux finir la review avec un touché, là. Je ferai pas un match au complet, là, mais... J'espère réussir un touché dans la review, là. Parce que, franchement, là... Parce que la première... Je me rappelle, là, au début, là, je jouais comme un pied, je me faisais planter ben réel. Mais là, aujourd'hui, je suis littéralement en feu. Je sais pas, peut-être c'est parce que c'est vendredi, je sais pas. Ah non, pas... Hey, quand t'es pas locké, là, ça a pas de bon sens. Être mal chanceux de même. Fait que, safety. Non. Et que je les laisse pas. Non, 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 je les laisse pas passer. Je vais réussir à en toucher, vous passerez pas. Vous ne passerez pas. Comme le Seigneur des Anneaux. Hein, lui, il t'a dit qu'il passerait pas, le petit bonhomme qui a fait la danse, là. Ouais, vous ne passerez pas! Ouais, ouais. Aïe! Oh, j'ai encore le back sack! Ah, il a fait de la passe! On peut voir aussi des réactions de la foule quand on réussit un mauvais jeu, puis tout. Ouais, c'est vraiment bien fait pour un jeu de l'époque, là. Franchement, là, je comprends qu'il soit dans le top 5, là. Je suis pas surpris par tout, là. Peut-être pour vous qui suivez pas le football, vous allez demander qu'est-ce qu'il fait là, mais... Faut comprendre un peu le sens de l'époque. C'est des jeux qui sont révolutionnaires, des jeux qui... En tout cas, Piaget a leur raison, mais moi, je trouve perso qu'il a sa place dans le top 100. Ouais. Make a cheat right. Ouais. 7, 7, 7. Ah ouais, go! Oh boy! Ouf, gagne de 3 verges. Il en reste-tu encore go à accomplir? Il est en 2 verges encore.
Ok, ah, oh, 103 et 12. Ok. Il y a encore 12 verges à franchir encore. C'est bon, la défense a un peu un beau petit coussin, là. 2 minutes warning. Ah, c'est vrai, quand il y a des 2 minutes. Quand il reste 2 minutes, parfois il faut arrêter. C'est vrai, ça. C'est vrai. Au début, là, au football, là, c'est les règles sont complexes, là, mais. Mais quand on les comprend, on apprécie. Mais moi, ça, c'est un avis personnel. Ouais. Lance le ballon, là. Arrête de niaiser, là. Aïe, ah oui, il fait un botté de retour, effectivement. Ah, ah, hop. Ah ouais, ah ouais. Bon. Ouais. Il fait 31 vierges, c'est bon. Ok, là, j'ai réussi un toucher, là. Focus, Joe Bros, fais un toucher. Ouais. Fais un toucher pour tes fans. Ah ouais, oh, il s'en démarquait, lui. Tu l'as eu? Ah, yes, sir! Je l'ai eu! J'avais pas qu'on me l'intercepte encore. Ok, choisis quoi, là? Ouais, t'es énervé. Une autre passe, là. On va essayer de faire ça le plus vite possible, là. Battre un peu, là. Ah ouais. Ah, quoi? Je l'avais, là! Qu'est-ce que c'est ça? Je l'avais attrapé! Oh, mon Dieu, ça va bien. 3 et 7. Ah, hey, il a passé devant toi! Pourquoi tu l'as pas... Tabarnance! Ouais, c'est ça un peu le défaut du jeu. Parfois, il y a un petit problème de collision avec le ballon, là, mais... Ben, peut-être il voulait mettre la réalité un peu. Ok, on est encore 4. Ok, ouais. Botté. Botté. On va faire un botté de retour. J'ai plate, là. Je pense qu'on va finir la review sans botté, sans de touchdown à rien. Ou bien, je laisse-tu l'ennemi faire un touchdown pour monter de quoi ça a l'air? Est-ce que je fais ça? Je laisse passer l'ennemi? 38 secondes. Bon, je peux peut-être vous laisser passer, là. Pas me laisser aller pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air quand quelqu'un fait un toucher. C'est une petite animation un peu cheap, là. On est en 94, faut pas s'attendre à des miracles, là. Ben, ils vont savoir le temps de faire le toucher, eux autres. Ah, ils font un time-out, c'est bon. Ok, on a droit à 3 time-out à chaque demi. 30 secondes. Oh, je vais vous les laisser faire un toucher pour vous montrer un peu de quoi ça a l'air, là. Je pense juste qu'ils vont voir le temps et l'intelligence, hein? Vous ouvre la porte, là. Bon. Bon, faut que j'avoue, j'ai une bonne défense, là. Faut comprendre les gars, là. Ah, un autre time-out. Ah ouais. Je vais laisser ouvrir la porte là. Ben, vous dire quand il y a un toucher, c'est une petite animation cheap là. C'est ben ordinaire là. Je vais juste vous montrer un peu de quoi ça a l'air, mais. Ben, ils veulent pas les laisser passer. Ben, c'est beau, les gars. Ben comprenant. Je vous comprends. Fait que qu'est-ce que je pourrais dire ce jeu-là? Un bon petit jeu de football. Très fun à manier, mais il faut aimer les jeux de football. Et aimer le football, bien sûr. Et aimer un peu les jeux un petit peu compliqués, parce qu'il est très dur à comprendre. Surtout quand on n'a jamais joué à du jeu de football de la vie, là, on... Off! Ça y est. C'est la fin de l'ennemi. Fait que c'est ça qui va conclure cette review-là. Ça, avec Madden NFL 94. Un bon petit jeu de football. Si vous aimez ça, je vous recommande. Mais il faut bien sûr aimer le football et ce genre de jeu-là. Fait que c'était Joe Bros 17. Et je vous dis, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Allez, venez me voir sur Facebook. Laissez vos commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et on se voit dans un prochain vidéo. Fait que je vous dis bye bye et à la prochaine.